Pour alerter les acteurs de la pêche le long de la chaîne, décideurs, professionnels et consommateurs, le directeur scientifique de l'ISRA, Dr Elage Traoré, a présidé un point de presse sur l'état actuel des ressources halieutiques au Sénégal et le rôle que le Centre de recherche océanographique Dakar-Tiaroui, CROD, joue dans la recherche sur le sujet. Je crois que si les gens sont sensibilisés sur cela, sensibilisés sur la nécessité du repos biologique, sensibilisés sur la taille, etc., donc ça veut dire que les gens peuvent contribuer au restaurant. Si vous partez à un restaurant qui donne des poissons qui ne sont pas faits, que personne ne mange, je pense que tout le monde va changer. Donc je crois qu'il y a un effort de sensibilisation à faire, mais quand on est sensibilisé aussi, il y a une contribution de tout un chacun pour qu'on ne soit pas un jour là sans poisson. Le poisson est dans le peloton de tête des produits d'exportation. À cela s'ajoute qu'il est une denrée de grande consommation dans tous les foyers à midi. Dès lors, sa raréfaction devient un défi qui fait appel à une synergie de lutte. Le changement climatique, c'est un fait, de mon point de vue, qui s'ajoute aux faits qui sont réels. Parce qu'il y a des faits anthropiques qui sont du domaine de l'homme. On a toujours pêché de façon assez irresponsable. On n'a jamais toujours respecté le code de la pêche. On pêche des juvéniles. Et la baie d'Anne, elle est là. Nos espaces protégés, pour protéger les ressources, ne sont pas légion. Ça fait moins de 1 pour 1000, quasiment. On a également des techniques de pêche qui sont dévastatrices, comme par exemple le chalutage. On continue. Depuis 1950, on chalute sur les côtes sénégalaises. À la lumière de la communication du directeur du CROD et de l'introduction du directeur scientifique, les journalistes ont soulevé plusieurs questions liées au sous-secteur de la pêche. Le directeur scientifique apporte quelques éléments de réponse. Donc je crois qu'il y a un effort de sensibilisation à faire, mais quand on est sensibilisé aussi, il y a une contribution de tout un chacun pour qu'on ne soit pas un jour là sans poisson. Bon, c'est vrai que ceux qui veulent le poisson, l'utilisation du poisson a été multipliée par 10, 20, etc. C'est normal. En tout sens, on était moins importé. La ressource, effectivement, elle sera convoitée. Au terme de la conférence, le DS a remercié l'assistance au nom du directeur général empêché.